Attention les mecs, Hellfest 2019, et là je suis vraiment pas dans la rigolade. J'ai même un peu le Troyamata Zéro, je suis avec Mister Seb de Sublime. Cadavérique. Cadavérique. T'es bon. Oh putain, ça envoie. Seb, alors, raconte-moi, j'ai vu ton nom là en passant. Regarde-moi dans les yeux, putain. J'ai vu ton nom en passant sous la tente, j'ai eu la trouille. Je suis même pas rentré et là je te chope au détour hein, dans le VIP. Alors ça s'est bien passé ou pas? Ah, ça s'est super bien passé. La tente était pleine, l'ambiance était à fond. C'est toujours le pied de jeu à Hellfest. Putain, et ça a envoyé de la... Là c'est de la merguez, mais la vraie, celle qui pique. Il a envoyé de la merguez, celle qui pique. Vous avez joué combien de temps? Ah, c'est 30 minutes le set. Un set de 30 minutes, c'était la fusion nucléaire. Ah, c'est de l'extrême porno-gore, donc là forcément, ça envoie. Porno-gore. Raconte-moi un peu l'histoire de Sublime, des compositions. C'est quoi le pitch, là, si j'avais à vous vendre un petit peu, là? Ah, le groupe existe depuis 23 ans maintenant. 23 ans, les mecs, au compteur. Avec une influence de brutal death metal, de crust, de groupes genre Behind Enemy Lines, Disrupt, Extreme Noise Terror, Catasexual Urge Motivation, Gut, Dead Infection. Donc toute une scène au début très underground et qui se retrouve aujourd'hui au Hellfest sur la Altar pour faire un super festival. Et vous jouez pas des trucs à la Twisted Sister si je comprends bien? Ah non, là c'est pas le genre de la maison. Ah, c'est pas le genre de la maison. Et pourquoi ce genre-là? T'es vraiment très en colère ou c'est quoi l'histoire? Ah ben l'histoire c'est quand même que dans la musique extrême faut quand même qu'il y ait des groupes aussi qui se dévouent pour faire le pire du pire de ce qu'il peut y avoir. Et là vous êtes le pire du pire. Ah, on est un exemple. Un exemple du pire du pire. Combien d'albums au compteur chez les Sublimes? Là, c'est le sixième, Raping Angels in Hell, qui est sorti il y a un an. Oh putain, il y a un an, c'est pour ça les scouts sur la terre, il y a un an quand le bordel est sorti. Ça a quand même fait. La presse, elle est comment avec vous? Elle accueille ça bien? Elle comprend le truc ou ils sont... Bah, elle est un peu apeurée forcément, mais ça leur fout les jetons. Avec, hein. Ça leur fout les jetons, tu m'étonnes. Vous êtes combien dans le groupe là? Là, on est trois. Trois survivants? Trois survivants et puis au-delà, je pense que ce serait trop. Et vous êtes à combien de dB sur scène? C'est du 160, 190, 200, 210? Ils réussissent pas à enregistrer à ce niveau-là, en fait. J'ai vu les mecs de Arte, ils chialaient, les gars. Les gars, ils chialaient. Les mecs de Arte, ils chialaient. Ah, les trucs, ils étaient plus... Mais il n'y a plus de couleur. C'est au-dessus du rouge. C'est au-dessus du rouge dans les vues-mètres. Et alors qui compose dans le groupe? Vous êtes tous les trois, là? Alors, il y a le guitariste qui fait les compos et moi qui fais les textes et tout ce qui est graphisme. Ah, graphiste born. Alors là, tu t'éclates niveau graphisme, j'imagine. Je m'éclate pas mal. Ouais. C'est pas exactement le même genre, mais c'est autre chose. C'est un autre graphisme. Formation classique. Formation classique, brutal death, gore et tueur en série et tous les films qui vont avec. Série Z et tout le bordel. Comment tu te prépares avant un concert pour faire du crawl comme ça quand t'envoies l'eau? Comment ça se prépare un Seb qui est survolté, c'est quoi? C'est quelques bières déjà pour se mettre en condition. Ouais, okay. Et puis après, je suis sûr que toi, tu peux le faire aussi quand même. De la préparation. Putain, la préparation, j'ai cru que c'était un chalumeau qui était en train de me brûler les lunettes, le bordel. Respect, alors là, je sais pas, moi j'écoute, tu vois, les trucs genre les Beatles, Creedence Clearwater, mais alors là, j'ai hâte de vous revoir sur scène. D'ailleurs, on vous voit quand sur scène? Un peu partout, là, on va aller en République Tchèque bientôt pour le Obscène Extrême Festival. Obscène Extrême Festival, ouais. Que des poètes, là on y est pour la troisième fois. Ça va chier les pointes. Là, on va faire un peu le Canada aussi, là on y a été l'an dernier, États-Unis, Canada, on va refaire un petit peu quoi. Ouais, alors là c'est envergure internationale les Sublimes Cadavériques. Il y en a partout qui aiment ça donc... Ça le fait, et moi je suis fier de ça que les artistes français, tu vois, ils aillent foutre un peu qui casse, tu vois, les Canadiens, tous ces trucs-là. Et quand vous allez là-bas, vous faites pas le figure quand même. Non, on y va avec plaisir, il y a plein de public qui aime ça, donc il y a une grosse scène aussi canadienne hein, depuis les débuts avec Damer. Et comment ils font le homme avec l'accent québécois? Ça s'entend presque pas en fait. C'est un accent différent. Ami québécois, si tu nous regardes, prépare ton petit cul parce que alors là, je vais te dire, tu vas te faire déboter. Ça c'est garanti. En parlant d'album, il va y avoir un album qui arrive bientôt, allez dis-moi oui. Encore un petit peu parce que là on a pas mal de tournées encore cette année, l'année prochaine. Allez, donc mec, l'album certainement un peu après. Je peux pas les faire bosser plus. Ravi de te rencontrer Seb, c'était vraiment pas prévu, je me suis bien régalé. Je vais aller jeter quand même une putain d'oreille sur ce dernier album pour me faire un petit peu le... Rapping Angels in Hell. Si t'avais un petit message pour les fans de la Victoria, vas-y, c'est ton moment. Allez, merci.
merci à tous déjà d'être venus là et de nous suivre depuis 23 ans maintenant. Et on se revoit bientôt sur scène. Merci à tous. Ben voilà, c'est même pas la peine de gueuler rock'n'roll. Salut Seb, bon fest, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Ben pareil, allez, bonne journée. Ouais, salut, salut, salut. Je vais m'entraîner moi toute la soirée. Oh, oh, allez, j'arrive pas. Ouais, salut Seb. Ciao. Bye bye. Et voilà, ça c'est sublime. Yeah.